Alléluia. Ce Dieu est vraiment un Dieu merveilleux. Je suis très heureuse de commencer aujourd'hui dans la musique, en adoration, justement parce que le thème aujourd'hui, c'est adorer, travailler comme un culte d'adoration. Alors bienvenue parmi nous. Je suis très heureuse de vous avoir ici, euh, me suivre ce séminaire qui va être édifiant. En tout cas, j'espère que le Seigneur va me mettre les mots dans la bouche pour que ça soit suffisamment intéressant. Comme moi-même, euh, j'ai dû l'apprendre pour vous en parler aujourd'hui, et c'est vraiment très très intéressant. Euh, sans plus tarder, euh, on va commencer en prière. Une très petite prière mais vraiment pour dire merci à dieu merci seigneur pour le temps que tu nous offres en ce euh, que tu nous offres en ce moment seigneur de partager ta parole à travers le travail à travers les affaires à travers nos vies euh, comment tu vas nous enseigner par rapport au mot travailler aux, à ce verbe seigneur qu'on utilise tous les jours de nos vies mais qu'on en connaisse un sens profond aujourd'hui lié à ta, euh, ta, ta volonté en fait on te dit merci pour ce que ça va apporter à chacun d'entre nous on te dit merci parce que tu es le dieu tout-puissant on te dit merci parce que tu vas éclairer euh, notre euh, notre mindset, notre façon de penser, notre ligne de pensée pour venir euh, euh, réorganiser la vision et la, la façon d'utiliser et de, de, de travailler ici sur Terre. Je t'ai ainsi, ainsi prié, Seigneur, merci. Alors, euh, pour sans plus tarder, on va commencer donc, notre... Euh, Message aujourd'hui, c'est le travail comme un culte d'adoration. Je vais d'abord me présenter. Je suis Amana kinkela. Je suis gestionnaire, entrepreneur, formatrice et coach d'affaires, euh, et je le fais euh, la, plus souvent qu'autrement selon les principes bibliques. C'est-à-dire que je le fais toujours de façon de prendre sur les principes bibliques. Mais pour ceux qui ne sont pas euh, chrétiens comme moi, euh, ne vous inquiétez pas. On va quand même. Parler de l'entrepreneuriat, on va quand même avancer dans cette dimension-là et vous allez voir, malgré que je vais utiliser les principes bibliques, ça ne vous dérangera pas parce qu'on est quand même dans cette grande pensée de Dieu, dans sa généralité, peu importe la la, euh, la, la comment on va dire le... Euh, la vocale, du moins la, le Dieu que vous priez, moi je considère que le Dieu Tout-Puissant est le Dieu qui englobe tous les dieux et ce Dieu-là, il ne ment jamais, ce Dieu-là, il, il n'a jamais fait défaut, il parle de sa parole et il accomplit sa parole. Donc c'est ça, je suis entrepreneur, comme je disais selon les principes de Dieu, je suis diplômée en relations industrielles, sciences économiques et euh, comptabilité générale. Je suis fondatrice de l'entreprise Andal Management qui est en fait un amalgame de mon ancienne entreprise Gestion Siga que j'ai conduite ici pendant plus de 12 ans et que j'ai maintenant reset si je peux dire que je repartis pour la donner une plus grande vision, une vision beaucoup plus plus élargie. Mais dans tous les cas, c'est toujours dans le but de démarrer, supporter, former, accompagner et gérer des PME pour donner une substance, euh, euh, pas permanente, mais générationnelle euh, de, de l'entreprise dans le temps, qu'elle perdure, qu'elle reste, qu'elle soit... Qu'elle passe de génération en génération. J'ai aussi travaillé aux côtés de Dr Michaud Munda, la pasteur fondateur de l'Église Sénat Ottawa, et j'ai été impliquée avec lui dans plusieurs, dans de nombreux projets. Et actuellement, je suis dans ma vie de tous les jours team leader de la gestion des contrats et de des consultants informatiques au sein du gouvernement du canada. et je suis également la directrice principale de la communauté francophone internationale de nehemiah, qui est aujourd'hui euh, la plateforme qui offre ce séminaire, nehemiah project, qui est euh, rien d'autre qu'une plateforme qui aide les entreprises à caractère biblique pour les entrepreneurs, les entrepreneurs euh, chrétiens, à développer leurs affaires. Alors, ceci dit, je ne peux pas parler de moi sans parler de Patrick Saguet, qui est lui-même le fondateur, le, le, on va dire, le, le cofondateur, le fondateur principal. Et il est aussi cofondateur parce que plusieurs personnes l'ont rejoint plus tard avec sa femme, qui ont conçu en fait le principe de Nehemiah. Donc, il est formateur en affaires, entrepreneur, orateur international, prédicateur, auteur. Coach d'entreprise, il est le directeur de service de Nehemiah Projects lui-même et aussi de Kingdom Business Coaching, qui est l'entité à l'intérieur de Nehemiah qui euh, coach les entrepreneurs bibliques. Il a formé plus de 7000 personnes euh, à construire euh, des entreprises euh, bibliques. Il est aussi auteur de livres et membre du conseil d'administration dans plusieurs organisations. Et ici, je vous présente le livre qui est le plus récent, qui vient à peine de sortir. En ce moment, il n'est juste qu'en anglais. Et bientôt, on espère, dans, autour du mois de juillet va être en français. Donc, c'est vraiment quelque chose que chacun d'entre vous pourrait s'approprier parce que je sais qu'on est dans une, on parle, on est dans la communauté francophone, mais euh, définitivement, il y a beaucoup d'anglophones parmi, il y a beaucoup de gens qui parlent euh, bilingue, en fait, on va dire, euh, qui parlent anglais. Donc, si vous êtes intéressé à le lire en anglais, il est déjà disponible, mais si vous êtes beaucoup plus à l'aise à le faire en français, je vais vous suggérer d'attendre. De le faire dans euh, euh, aussitôt qu'il va apparaître alors euh, la Néma a une plateforme qu'on appelle e-communauté c'est vraiment à l'intérieur de cette plateforme là que on fonctionne euh, beaucoup, on travaille euh, essentiellement avec cette euh, plateforme. C'est la communauté né ben, on, Bon, En anglais, c'est e-community. C'est très facile en anglais, mais en, en français, je, on va dire la communauté entrepreneuriale de NEMAIA. C'est la plateforme d'adhésion, de formation euh, commerciale et de support pour les startups et les petites euh, et moyennes entreprises pour créer des entreprises transformationnelles au sein d'une communauté mondiale. Quand on dit mondial, aujourd'hui, on est dans les cinq continents. On est vraiment à travers le pays. On est en Asie. Euh, on travaille beaucoup avec euh, la Malaisie. On travaille beaucoup. On est aussi aux États-Unis, évidemment, parce que l'entreprise est euh, américaine, est bâtie par euh, Patrick Sague, qui est américain d'origine camerounaise. Euh, ensuite, on est euh, en Afrique. On est en, en Amérique latine. Et puis, on est aussi en Europe. Donc, vraiment, c'est une organisation qui est partout. Et la beauté de ça, c'est que vous pourrez vous procurer une franchise Neimaya. Et dans, avec votre franchise, vous pourrez vous permettre de fonctionner aussi bien en ligne qu'en centre physique. Et vous pourriez aussi bien le faire uniquement en ligne ou uniquement en... En présentiel donc c'est vraiment un choix c'est surtout bon avec la pandémie vraiment ça donne une bonne opportunité donc moi avec zandal management malgré que je suis déjà euh, directrice euh, principale pour la la, la communauté internationale, j'ai quand même décidé avec mon entreprise Zandal Management de pouvoir euh, avoir une franchise pour rouler ça à Kinshasa parce que Zandal Management est un concept d'entreprise de, qui est au-delà de, de, des frontières. Il est basé en Afrique, mais travaille aussi dans le même concept que Néhémaya. Donc, ça, ça a arrangé beaucoup de choses. Euh, pour revenir. Pour continuer, en fait, euh, la... pour participer à Nehemiah, donc la communauté sociale ici, il faudrait. Adhérer. Donc, pour adhérer, vous avez plusieurs façons d'adhérer qu'on va expliquer plus tard, mais en général, vous avez aussi cette possibilité-là d'adhérer de façon gratuite. Vous avez un nombre limité de services qui sont offerts de façon gratuite, mais ça vous donne au moins une idée de quest ce que Nehemiah fait. Vous pouvez naviguer au, autour de la plateforme et avec le temps, si vous êtes intéressé, là, vous pourriez euh, vous adhérer euh, à différents niveaux. Alors, Nehemiah offre essentiellement de la formation et du coaching euh, biblique, euh, de l'entrepreneuriat biblique, et il soutient euh, des entreprises à caractère biblique aussi, donc euh, qui sont souvent chrétiens Et la, 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 le, vraiment, la, la, comme on dit, euh, la cerise sur la sandée, c'est que Nema offre un, euh, du capital euh, pour des, des startups pour des gens qui sont déjà aussi en affaires mais qui veulent euh, euh, étendre les activités donc de faire une expansion des activités là vous pourriez aussi avoir l'accès au capital et la, le, le, le but de NEMA évidemment c'est avoir l'impact du royaume ici sur terre on veut vraiment avoir pas seulement des gens qui prient mais des gens qui agissent et qui agissent à travers leur vie par l'appel la, de Dieu dans leur vie pour impacter dans les affaires et impacter le monde. C'est ça qui est la vision de Nehemiah. Donc ici je vous montre euh, un peu euh, vite fait euh, la excusez-moi la partie gratuite. Ici vous aurez euh, quasiment toutes ces euh, dans des dévotions des, la, la, le réseau, les séminaires. Il y a des séminaires gratuits comme celui-ci déjà que je suis en train de présenter. Puis il y a des de connexions, des groupes live où vous avez vraiment euh, un, beaucoup de, de, de façons de, de vous connecter avec d'autres personnes. Mais je veux dire, c'est quelque chose que vous devez aller regarder tranquillement vous-même, euh, scruter et puis vraiment faut vous poser la question s'il y a quelque chose qui vous intéresserait d'être plutôt, euh, plutôt membre, comment on appelle ça déjà, membre argent que membre bronze. Voilà, c'est ça. Alors, pour aller justement aller regarder ça dans Neemaya, l'adresse, je vous la communique, elle est là, neemaya e-community.com. Donc, neemaya e .com. En français, c'est neemaya e-community.com. Donc, vous avez la possibilité de le faire n'importe quand que vous le voudrez, et on sera content de vous euh, vous répondre. Si vous avez des questions, vous avez aussi la possibilité d'aller écrire au, mem au member support, euh, donc au, au support euh, aux membres, qui vont pouvoir vous répondre à différentes questions. Alors voilà, euh, là, on va commencer vraiment le vif du sujet. Parce qu'on parle d'entreprise, je ne peux pas me passer de passer au travers de cette euh, étape. Euh, Aujourd'hui, étant donné qu'on va vraiment parler du travail, je ne vais pas vraiment développer parce qu'on ne va pas parler de stratégie. On va vraiment aller dans l'importance de c'est quoi le travail. Mais parce qu'on va parler d'entreprise, je voudrais juste faire un petit briefing ici n'importe quand l'entreprise va naître à partir d'une idée va croître donc dans sa, va, va se développer dans ses premiers pas dans la au niveau de la création après va faire euh, va, retour, va, va retourner dans ses investissements donc on va dire le seuil de rentabilité c'est à dire au moment où il commence à gagner de la il, il a gagné l'argent qu'il a investi dans son entreprise mais le but de l'entreprise ici c'est vraiment d'aller au niveau de la rentabilité Même quelle entreprise qui existe sur Terre, le but est de faire être rentable. Et ici, je vois encore, je le dis et je le redirai toujours, on va faire vraiment une, tirer une, une sonnette d'alarme quand on parle d'entreprise de à but non lucratif, elle n'est pas dans le but de faire des profits essentiellement, mais elle doit faire des profits parce que c'est une entreprise, parce qu'elle a des services à offrir, parce qu'elle doit continuer ses activités, parce qu'elle ne doit pas mourir demain, donc elle doit dans le principe d'une entreprise produire euh, des profits. Maintenant elle ne va pas le produire de la même façon que, les, que une entreprise à but lucratif se fait, elle va avoir une gestion différente mais elle doit produire des profits. Donc elle doit être rentable. Maintenant à partir d'ici, c'est pas toutes les entreprises qui vont être qui vont passer à la durabilité, c'est-à-dire ne vont pas avoir nécessairement des gros systèmes établis pour pouvoir fonctionner, elles ne vont pas nécessairement devenir euh, atteindre un certain niveau d'autonomie euh, euh, systématique et puis euh, donc ici la durabilité, c'est vraiment pour permettre aux entreprises qui veulent euh, passer justement dans cette, niveau, dans cette dimension euh, générationnelle de poser un système qui va les permettre de rouler avec ou sans le propriétaire ou le fondateur de cette entreprise. Une fois qu'on passe à travers la durabilité, on va aller maintenant, euh, selon le, la personne, l'étendre. Donc, faire une expansion. Ça peut être une expansion à l'intérieur d'une région. Ça peut même être une extension à l'intérieur d'une ville. Par exemple, on est dans la capitale d'une ville et puis dans, dans la capitale, il y a des communes. Alors, on a commencé dans une commune et puis il y a 12 communes dans la capitale. Ben On va aller l'étendre dans les 12 communes de cette capitale-là. Donc, on est vraiment juste dans une ville. Après ça, on peut l'étendre à un niveau régional, hein, ensuite dans un, à un niveau national, et puis ainsi de suite, ça peut devenir international et mondial. Une fois qu'on a fait ça, on, devient, on, on, commence à, on, on pense à la succession. On ne commence pas à penser à la succession, mais on pense à mettre la succession en place. Mais la succession, juste pour donner une idée rapide, on y pense dès le début. On n'y pense pas tout de suite, on y pense dès le début. Donc, on pense à la succession et la succession peut se faire entre parents et enfants, parents-neveux. Euh, parents euh, employés d'entreprise, qui est très intéressé. Donc ici, il faut juste comprendre que la succession ne se fait pas uniquement entre parents et enfants, surtout encore quand on est chrétien, parce qu'on doit comprendre que Dieu ne donne pas nécessairement la, le même appel. À... Ton appel n'est pas, euh, comment, on a, comment on dit ça, l'appel d'un parent n'est pas euh, héréditaire, on va dire, c'est… L'enfant peut avoir autre chose en tête que faire ce que le parent faisait. Donc, il faut vraiment avoir une idée large dès qu'on est petit, euh, observer nos enfants, se dire que peut-être lui, il aurait l'affinité la, la, ou la volonté de faire ce que je fais. Mais ne vous accrochez pas à cette idée parce que ce n'est pas toujours vrai. Alors, euh, euh, dans ce cas ici, j'ai toujours voulu dire aussi que dans toutes ces étapes, on ne pense pas les stratégies d'entreprise de la même façon. Mais dans le cas de notre euh, séminaire aujourd'hui, on va dire, on ne pense pas, la, on ne pense pas du tout l'effort. On, on ne fournit pas le même effort, le même type d'effort à différents niveaux. Donc, il y a des efforts mentaux qui vont se faire beaucoup au niveau de, au niveau de la découverte, mais après, on peut ajouter un effort. Physique, l'effort mental en même temps, mais le niveau va changer au fur et à mesure qu'on avance. Sachez juste une chose quand Dieu donne une responsabilité, le plus qu'il va t'en donner, c'est parce que tu as le plus d'efforts que, que tu produis pour obtenir un certain résultat. Donc, c'est ça qu'on va retenir pour cette partie ici. Maintenant, c'est quoi la notion du travail moi, je suis allée dans Genèse 3, 17 à 19, il est écrit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est là déjà, on commence déjà à te dire, tu avais ça gratuitement, je te l'avais donné gentiment et calmement, puis tout d'un coup, toi, tu as fait tout le contraire de ce que je t'avais demandé. Alors à partir de cet instant-là, je te dis que tu vas, pour pouvoir manger, pour pouvoir obtenir de la nourriture, tu vas devoir, à force de peine, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Puis ça finit pas là. Il dit Il te produira, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage et dans d'autres versions c'est écrit à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. C'est là déjà la notion du travail. Donc on ne, on ne gagne rien, il ne se produit rien en termes de travail si on ne du moins, on n'aura rien à manger si on ne travaille pas. Ça, c'est déjà la notion du travail. Comment à l'origine, à la Genèse, Dieu l'avait pensé autrement, mais à cause de nous, pécheurs, on a rendu cette chose maintenant à la sueur de notre front. Et la deuxi le deuxième message que j'aimerais qu'on lise rapidement, c'est car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc là, vous voyez que le, la, la force du travail, c'est vraiment dans un premier temps de produire la nourriture. On veut manger, on ne va pas mourir de faim. Pour ne pas mourir de faim, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Maintenant, on va aller plus loin. Qu'est-ce que le travail ne devrait pas être? Qu'est-ce que le travail ne devait pas être? On dit qu'on ne doit pas adorer le travail. Le travail n'est pas la source d'approvisionnement. Donc, on, ici, vraiment, moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'étais un peu sonnée parce que je me suis dit, mais oui, c'est la source d'approvisionnement, c'est avec ça que je travaille et puis que je gagne de l'argent et tout. Non, non, on te dit que non, le travail n'est pas ta source d'approvisionnement, mais c'est un moyen. Ah, donc là, ça veut dire que j'aurai encore de l'information plus tard. Le travail n'est pas un faiseur de Dieu. Donc, on sait d'avance que ce n'est pas parce qu'on le fait, pas parce qu'on travaille, que ça devient quelque chose que je peux adorer ou bien que je peux parler, comme, à, à qui je peux me, me, me référer comme étant un Dieu pour moi. Dans ma langue, il y a même une expression qui dit que l'argent ne doit pas devenir ton Dieu. Donc je comprends maintenant ça aujourd'hui parce que ma mère l'a répété souvent le travail n'est pas ton dieu toi tu dois gérer l'argent mais l'argent ne doit pas te gérer donc c'est un peu dans ce sens dans cette dimension que le travail n'est pas un faiseur de dieu dans luc euh, 4 8 Jésus leur répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Là, je commence déjà à comprendre un tout petit peu. Donc, avec ça, je sais que quel que soit ce que je veux faire ici sur Terre, quelle que soit la chose que je fais, je n'adorerai que Dieu. Quel que soit ce que je, 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 qui, quelle que soit la chose qui me fait du bien. Quelle que soit la, la chose qui, qui me procure du plaisir ou une joie quelconque. Ce n'est pas à ça que je veux vénérer, ce n'est pas cette chose que je veux vénérer ou bien que je vais me prosterner, je me prosternerai juste à Dieu. Donc, c'est là que déjà je commence à comprendre de plus en plus. Par contre, cette histoire, ça, j'aimerais la lire. L'histoire dans Osée 14, 3, mais moi, je vais le lire un peu plus, euh, un peu plus long. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je veux lire de, de 14.1. Les habitants de Samarie devront payer pour leur faute. Je lis ça un peu plus long pour ceux qui n'ont pas connu l'histoire. Les habitants de Samarie devront payer pour leur faute parce qu'ils se sont opposés à leur Dieu. Ils mourront à la guerre. Leurs bébés seront écrasés. Leurs femmes enceintes auront le ventre ouvert. Reviens, Israël, vers le Seigneur ton Dieu. C'est ta faute qui t'a fait tomber. Revenez vers le Seigneur en lui apportant ces paroles. Pardonne-nous nos fautes et accepte ce que nous offrons de bon. À la place des taureaux, nous t'offrirons en sacrifice les paroles de notre bouche. Et maintenant, c'est là qu'il dit la Syrie ne peut pas nous sauver. Donc, ici, c'est en fait le 14-4, j'ai fait une erreur. La Syrie ne peut pas nous sauver. Nous ne, monterons, euh, nous ne monterons plus sur des chevaux de combat. Les statues que nous avons fabriquées nous-mêmes, nous les appellerons plus notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. C'est là que je comprends dans cette histoire qu'en fait, les, ces gens-là avaient vénéré leur travail, le produit de leurs mains. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Baal, donc on est dans cette histoire-là, l'histoire histoire du roi de Baal. Donc tout le monde commençait à vénérer le produit de leurs mains, un faux Dieu, commençait à, 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 à créer des, euh, des dieux euh, qu'ils ont créés de toutes pièces. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que leur, leur, leur affaire ne fonctionnait pas. Donc, ils se sont rendus compte que pour que ça fonctionne, il faudrait vraiment qu'on retourne à c'est quoi la notion de Dieu. Alors moi, ici, je vais vraiment dire c'est quoi le travail C'est une activité qui implique un effort mental et physique. Et ça, on l'a déjà vu au début, à la Genèse. Ce n'est pas du tout faux, ce n'est pas quelque chose qui est inventé ou qui nous surprend ou qui devrait nous surprendre. Ça a déjà été dit au départ que nous mangerons à la sueur de notre front. Donc, ça va euh, définitivement générer une force, euh, une force euh, physique ou mentale et même des fois émotionnelle. Et c'est accompli dans un but précis tout en subvenant aux besoins de nos familles. Donc ici, on va dire le, le but, c'est vraiment de, de pouvoir euh, s'assurer qu'on va subvenir aux besoins de nos familles, parce qu'il faut manger, mais il faut aussi s'assurer qu'on a un objectif à remplir. Et là seulement, qu'on commence à voir, et qu'est-ce que c'est Comment on va faire pour produire ce travail il faut agir comme un entendant de Dieu. Il faut utiliser nos talents et nos dons pour être en mesure d'être une source de bénédiction pour une personne ou un, pour une autre personne ou pour un groupe de personnes. Donc moi, quand j'utilise ce que Dieu a mis en moi, quand j'utilise ce que Dieu m'a a, 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 a donné comme don et talent, c'est pour servir Dieu à travers. À, à travers la façon que je vais euh, comment dire euh, offrir ça à, à, à une personne ou à un groupe de personnes. Donc, en ce moment-là, je, je deviens l'intendant de Dieu. Ça, c'est une notion qui est vraiment très importante à comprendre, que, très importante à comprendre, et on veut vraiment comprendre que le travail, c'est un moyen de servir les autres tout en créant de la valeur. Alors quand on a fait ça, quand on a servi Dieu, quand on sait que le travail, c'est pour servir Dieu, on réalise déjà dans le mot hébreu, le travail, travailler, c'était le mot avoda qui veut dire culte. Mais culte de quoi? Culte de service et culte d'adoration est culte par le travail. Donc, le travail, c'est le culte d'adoration de Dieu pour le service et pour... Mais le service reviendra toujours parce qu'on est au service de Dieu à travers tout ce qu'on fait. Donc, le mot avoda qui est culte, c'est pour ça que moi j'ai intitulé ça culte de... travailler comme un culte d'adoration. Alors, qu'est-ce que le culte Le culte est un hommage. C'est un honneur rendu à Dieu. Le culte est aussi une expression de révérence. C'est aussi une expression d'adoration envers Dieu. C'est servir Dieu. C'est honorer Dieu. Et ici, quand on dit honorer Dieu, servir Dieu, la plupart du temps, il faut qu'on qu n'oublie jamais. C'est avec notre temps qu'on honore Dieu avec les talents qu'on possède, qu'on va honorer Dieu. C'est avec les trésors qu'il nous a donnés qu'on honore Dieu. On n'honore pas Dieu autrement. C'est juste une façon de se rendre compte que même quand on va travailler, si je travaille par exemple comme institutrice, monitrice pour les enfants, je suis professeure à, à monitrice, je veux dire, c'est souvent à quelle, à quelle étape, là, je pense, avant six ans. Pour, pour ces enfants-là, j'ai besoin de servir Dieu à travers ce que je vais transmettre comme information à ces enfants-là. Je veux travailler avec l'amour que Dieu m'a donné ou l'amour de Dieu à travers moi pour transmettre à ces enfants, pour que eux, à, à, à leur tour, soient capables de transmettre cet amour. Je veux travailler à travers l'amour de Dieu. À travers l'intelligence, pour que je puisse insuffler cette intelligence, cette connaissance à ces enfants-là, pour qu'eux, à leur tour, soient en mesure de transférer. Cette. Et c'est comme ça que le, 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 la, la, le travail pour Dieu se produit. Alors, on dit on, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dans Jean. 24. Donc là encore, je comprends que le culte, ça devient encore quelque chose qui est très réel. Que si je fais quelque chose, quoi que je fasse, il faut que j'adore Dieu en, en esprit et en vérité. Parce que toute chose qu'on dit, toute chose qu'on dit doit se produire vraiment euh, d'abord dans notre esprit. Parce que souvent, souvent quand on pense à quelque chose, quand on veut faire quelque chose, on, on pense dans la nature de notre chair. Dans la nature de notre chair, on peut faire les choses n'importe comment. Par contre, si on pense vraiment dans la nature de l'Esprit de Dieu, c'est là qu'on vient vraiment penser à mettre des choses en place pour qu'on puisse les mettre d'abord en esprit et qu'on fasse en vérité de ce que Dieu dit et de ce que Dieu veut. Alors. L'autre truc, quand est-ce que travailler devient alors un culte d'adoration Ça, c'est la partie qui est vraiment intéressante parce que pour que travailler devienne un culte d'adoration, on a regardé des, des éléments de, du travail, la, la notion du travail, on a vu c'est quoi un culte, euh, on sait pourquoi on adore Dieu, on a vu l'origine du travail. Maintenant, quand est-ce que travailler devient un culte d'adoration Parce qu'il faudrait que maintenant, pendant que moi je le fais, je viens de donner l'exemple de la monitrice. Maintenant, c'est vrai la monitrice, mais est-ce que la monitrice est vraiment dans son appel La monitrice n'est pas dans son appel. Elle est peut-être en train de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait dans, dans la dimension de ce que Dieu l'a demandé comme service donc c'est ça maintenant qu'on va regarder quand est-ce que travailler devient quand est-ce que travailler devient euh, vraiment un culte d'adoration c'est en quoi que vous en, euh, et quoi que vous fassiez en partie ou en œuvre faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Ça, c'est dans Colossiens 3, 17. Ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, fais tout par esprit et en vérité. Mais ici, ça va encore plus loin. Quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, fais-le en partie ou en vérité. Donc que tu le fasses à moitié, ou que tu le fasses à temps plein, ou que tu le fasses avec un tout petit peu de temps. Mais si tu le fais, fais-le au nom de Jésus-Christ et que tu rendes par lui des actions de grâce à l'Éternel. Les actions de grâce, c'est juste tous les jours, tu remercies le ciel, tu remercies Dieu pour ce qu'il t'a donné, pour ce qu'il a, euh, a pu te donner comme opportunité, pour la force qu'il t'a euh, qu donnée pour pouvoir rendre ce service, même pour te lever le matin pour pouvoir être en mesure. Mesure de, de faire ce service, toutes ces choses sont, un, sont déjà un culte d'adoration. Maintenant, dans ton travail, là, maintenant, on va le voir. Servir les autres tout en montrant du respect pour Dieu et l'amour de Dieu. C'est aussi exercer la gérance de notre temps. Donc, quand j'utilise mon temps, que je ne le gaspille pas. Je suis pas ici sur Terre, on n'est pas ici sur Terre euh, par hasard. On est ici sur Terre, mais vraiment avec un objectif. On le sait, on ne le sait pas, on apprend à le savoir, on apprend à le comprendre, on apprend à un moment donné, on le ressent. Et quand on le ressent, c'est là qu'il ne il faut vraiment plus gaspiller son temps. Euh, les talents, il ne faut pas les gaspiller non plus. Il faut que ça aille dans la direction. Dans la, du moins, il faut que ça soit utilisé pour la raison pour laquelle elle a été donnée. Alors, ne jamais oublier non plus que quand on va gérer ce temps, on va gérer ses talents, on va gérer nos trésors. Il faut savoir qu'il y a une rémunération parce que Dieu dit que c'est à travers ce travail, à travers cette, euh, cet effort que tu es en train de produire, que tu vas pouvoir manger. Donc ne gaspille pas ça. Travaille bien, travaille bien de, de sorte que tu gardes ton emploi. Garde, travaille bien de sorte à ce que tu puisses euh, honorer. C'est-à-dire que ta façon de travailler inspire les autres autour de toi. Ne gaspille pas ça euh, dans la parabole des talents. Pourquoi ça a été aussi ça a été dit en même temps la parabole des talents nous dit il faut travailler il faut travailler pour en avoir. En même temps ça nous dit les responsabilités, tu en auras de plus en plus que tu, en, que tu, que tu les dispenses. Si tu as une responsabilité et que tu ne l'assumes pas, tu ne pourras pas être euh, récompensé par plus de, de responsabilités parce que tu vas les gaspiller. Et même dans la vie courante, même si tu disais, oh, moi, je n'ai pas le temps, je ne veux pas faire, je ne suis pas ce genre-là, moi, je fais n'importe quoi, je fais comme je veux, il n'y a pas de souci, avance. Tu es sûr et certain. Moi, je te le dis, garanti. Ça, c'est même la loi. Avant même que tu saches que Dieu existe, la loi de la nature va faire en sorte que ce travail-là, tu ne le perdras. Juste la notion du bien et du mal, sans savoir que Dieu existe. Dans cette notion du bien et du mal, tu auras cette force naturelle du fait que tu perdras cet emploi ou cette responsabilité à un moment donné. Donc Quelque part, la parabole dit vrai en disant que tu vas avoir des responsabilités, tu vas, tu vas, euh, tu vas pouvoir euh, en assumer davantage. Et si tu as une certaine responsabilité que tu ne l'assumes pas, ben, tu n'en auras plus jamais. c'est pas grave, on, on va te retirer la, la seule responsabilité qu'on t'avait donnée parce que tu ne veux pas l'assumer. Maintenant, il y a autre chose qui est aussi... Euh, exercer notre vocation. Donc, c'est travailler dans son appel. Si on ne travaille pas dans son appel, il y a beaucoup de gens qui peuvent être quand même heureux, ils sont bien, mais des fois, euh, tu peux réaliser que j'aurais bien voulu faire telle chose. Je suis bien, je gagne bien de l'argent, je fais très bien, j'ai la capacité de le faire, mais moi, je me suis toujours senti très bien euh, à chanter, par exemple mais je suis directrice d'entreprise. Moi, je connais, je connais une dame euh, qui, a, qui a été euh, directrice euh, de ressources humaines ici dans une entreprise canadienne, puis à un moment donné, elle n'en pouvait juste plus, elle était mais vraiment au top level de tout ce que vous voulez, mais elle n'en pouvait juste plus, elle a dit que non, moi, j'aime la vie de la campagne, je veux retourner en campagne, et puis je vais aller faire ma ferme. À ferme. J'ai travaillé avec elle pendant longtemps en agriculture et avec, au niveau de la construction. Elle était très heureuse là-dedans. Donc, ce n'est pas le fait de pouvoir bien faire quelque chose qui nous dit qu'on est dans notre appel. Il faut vraiment aller fouiller en vous-même et reconnaître qui vous êtes pour pouvoir trouver quel est l'appel de Dieu dans votre vie. Et en général, dans ce domaine-là, ça se passe très, très bien. Donc, on sert, on sert dans notre appel en servant les autres, et c'est ça qu'on a dit au début. On sert dans notre appel en honorant le Christ. On sert dans notre appel en créant et en ajoutant de la valeur, et ça on vient de l'expliquer, la rémunération et la parabole de, des talents. On sert dans notre appel en développant l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe ici, je peux le dire au niveau, euh, à, au niveau de... de de la vie de tous les jours avec des amis. On peut aussi le développer dans la famille, mais on peut aussi le développer en entreprise. Mais on peut aussi le développer dans l'entrepreneuriat. Je donne un exemple aussi simple. Donc, dans l'entrepreneuriat, on va, on va dire, ça devient en favorisant une chaîne d'activité, une chaîne de valeur d'activité. OK, moi, je suis agriculteur, je produis, de, je plante. Euh, on va dire des épinards. Maintenant, euh, l'agriculteur peut aussi devenir un magasin où ses propres épinards, il les liquide dans son propre magasin. Mais idéalement, ça serait bien s'il se concentre à planter des épinards et puis il peut ajouter d'autres choses qu'il veut planter pour pouvoir fournir un, une autre personne qui, elle, se concentre à faire vraiment de, de, euh, un magasin une boutique où il collecte ce qui vient de cette plantation pour aller vendre dans, ce mag, dans son magasin de transformation dans son dans, dans magasin mais entre les deux entre que le produit qui est récolté et qui, qui se retrouve dans le magasin il a dû se produire quelque chose il a dû se transformer donc il y a au milieu encore une autre activité qui s'appelle la transformation d'aliments. Donc ça, c'est encore une autre entreprise qui existe. Alors si on se fait le relais comme ça, vous allez voir que chacun est dans sa zone d'appel. Moi, j'adore transformer les aliments. Je vole dans la région de mon appel. J'honore Dieu en servant toutes les personnes avec qui je travaille. Lui, la personne qui est dans le champ, il fait la même chose. Puis celui qui a une épicerie fait aussi la même chose. Et donc, l'amour de Dieu passe au travers de tout ça. Je sers Dieu à travers servir les autres. En plus de ça, on nourrit une grande population qui est le, 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 peuple, de Dieu, le, le peuple de Dieu directement. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans le travail, dans la mentalité, dans le mindset, quelque chose qu'on doit commencer à, à, à comprendre. On n'est pas obligé de tout faire, on n'est pas obligé, non, vous pouvez faire beaucoup, mais restez dans la concentration de votre appel, restez dans la concentration de votre vocation, multipliez les activités à l'intérieur de votre vocation et laissez tout ce qui est l'activité de la chaîne se produire avec la personne alors on crée des super bons partenariats qui nous permettent en ce moment-là de donner une valeur ajoutée dans ce que nous faisons d'une valeur ajoutée dans l'économie du pays parce qu'elle devient équilibrée on devient équilibré on donne une valeur ajoutée à la population qui euh, qui mangent correctement pour ceux qui sont dans l'agriculture, pour ceux qui offrent du service, ils ont le service approprié par la personne appropriée, par celui qui a le besoin, l'amour de faire ce travail-là. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a énormément de, de euh, on va dire énormément de besoins. Surtout par exemple en Afrique, qui ne sont pas comblés parce que tout le monde pense à faire la même chose. Tout le monde veut aller dans le même réseau. Hein? Aujourd'hui j'ai quelqu'un qui vend des, 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 des on va dire euh, que le cabri. Tout le monde connaît le cabri. Ben tout le monde veut faire du cabri. Non, 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 qu'est-ce que toi tu penses que tu peux faire C'est là maintenant, honore Dieu par ton travail, en servant les autres. Et si je reviens ici en arrière euh, rapidement, servant les autres, en gérant ton temps, c'est la gérance du temps ici, c'est là vraiment que vous allez comprendre que si je gère bien mon temps à fructifier ou bien à multiplier le type d'aliments que je veux planter, plutôt que... En, en me spécialisant dans quelque chose qui n'est pas dans ma dimension, je veux devenir transporteur d'aliments. non, non, non. laisse ça à quelqu'un, à quelqu'un d'autre qui a la capacité d'être chauffeur, qui sait comment on gère les, les camions et tout ça. il aime la mécanique. il aime la, la, il aime la route. laisse-le faire ça. il saura comment s'en gérer son personnel. qu'il s'assure seulement d'offrir un truc de qualité pour que ton produit parte d'un point a vers un point b. Donc le travail c'est vraiment être dans sa vocation, développer l'esprit d'équipe. l'esprit d'équipe, c'est quand on est maintenant dans une zone d'activité, c'est être capable de parler, de discuter, d'échanger des idées. Je peux être promoteur d'une idée mais ce n'est pas nécessairement moi qui développe toutes les, 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 les comment on, va, on va dire tous les aspects de cette idée, pour que cette idée devienne opérationnelle. Donc, j'ai la connaissance, ou bien non, j'ai la, 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 la révélation d'une idée, mais je n'ai pas l'aspect technique de cette idée. J'ai l'aspect managérial, oui, mais je n'ai pas l'aspect technique. Je dois aller chercher quelqu'un de technique pour m'aider. Donc, je dois l'écouter pour être capable de dire Ok, on peut aller de l'avant, on va. on va, Ok. Et puis après ça, j'ai besoin peut-être aussi d'une personne qui fait de l'assurance de la qualité. Puis j'ai besoin de. Vous voyez qu'on a besoin de tellement de gens autour de nous. Et quand on s'érige en, en monsieur qui connaît tout, ben, on bloque nos propres, euh, notre propre capacité de travailler à l'image de Dieu. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est dans notre vocation, qui doit être regardé de près, parce qu'on peut, euh, peut vraiment tuer le, le travail que Dieu veut qu'on fasse dans l'œuf, parce qu'on on travaille mal en équipe. Euh, et je vous dis ça, je ne dis rien hein, parce que on, je, suis, je, je suis comme vous, j'ai des défauts et j'ai des qualités, et donc il y a bien des choses qu'il faut que j'apprenne, il faut que je mesure pour que je puisse être en mesure de le faire. Donc chaque personne a des défauts et des qualités. Et regarder, ne regardez pas trop souvent à vos qualités, parce que c'est les choses qu'on qu gère le moins. On gère plus ce qui ne va pas bien. Donc regardez à ce qui va mal. Euh, Zamana, qu'est-ce que toi tu fais mal? Comment tu vas les améliorer? Qu'est-ce que tu fais mal quand tu es en équipe? Zamana, comment tu vas améliorer cette capacité euh, de travailler en équipe? C'est ça qu'on veut dans le travail, dans le culte d'adoration. Alors, euh, de quelle manière euh, on devient, euh, le travail devient un culte d'adoration, comme je disais? C'est vraiment un résumé ici. C'est travailler dans son domaine de prédilection. Et ça, je souhaite à tout le monde de trouver ce domaine de prédilection. Euh, C'est de, de faire avancer le dessein de Dieu par notre travail. Ça résume un peu ce que je viens de dire. On euh, ne peut, peut pas travailler seul. Euh, on ne peut pas faire arriver le dessein de Dieu seul, ne croyez pas ça, <laughs> c'est juste pas possible. Dieu vous enverra sur votre chemin des gens additionnels avec lesquels vous devez travailler pour faire arriver ce dessein. Donc, gardez l'œil ouvert, ne commencez pas à supprimer tout le monde, oh, lui je l'aime pas, lui je l'aime, lui je l'aime pas, mais on ne travaille pas toujours avec les gens qu'on aime. On travaille souvent d'ailleurs c'est un travail qui est pénible parce que Dieu va te confronter à mettre sur ton chemin la personne la seule personne qui est capable de t'aider à faire quelque chose. Des fois c'est la personne que vraiment tu te demandes est-ce que je vais pouvoir travailler avec, avec elle. Cette personne je n'ai je, je, je elle est tellement différente de moi mais est-ce que je serais capable de travailler avec elle Je dis souvent dans le travail, il ne s'agit pas d'aimer l'autre il ne s'agit pas d'aimer l'autre il s'agit de faire il s'agit d'atteindre l'objectif de dieu à son terme il ne s'agit pas que toi tu aimes l'autre d'ailleurs c'est à travers ça que dieu va t'apprendre à l'aimer cette personne-là que tu n'aimais pas contrairement à ce qu'on a toujours cru c'est contrairement à ce qu'on a toujours pensé non 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 tu vas travailler souvent plus souvent qu'autrement, avec des gens que tu, 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 le, son caractère est trop difficile, euh, sa pensée, je ne sais pas trop si je serais capable de suivre, mais en fait, il t'emmène l'élément clé qui va pouvoir faire avancer ton, ton truc. Travail, avancez, regardez à l'objectif que vous voulez atteindre, regardez à l'intérêt commun qui vous met ensemble et arrêtez de vous prendre la tête sur des pacotilles, comme on dit, euh, et vraiment... Euh, Concentrez-vous sur le but, l'objectif que Dieu a mis dans ce projet-là pour qu'il prenne vie. Sinon, on aura tous nos projets qui vont toujours mourir, ils ne vont jamais avoir lieu parce qu'on ben, avait commencé, ça n'a pas abouti parce que et ça ça va arriver très souvent parce que nous sommes des êtres humains et c'est très très important de faire attention à ça. Alors l'autre chose c'est faire de notre mieux avec excellence. Et l'excellence et c'est la discipline. L'excellence c'est le temps qu'on met pour que cette chose se fasse avec mais vraiment perfection. L'excellence c'est mettre tout son effort possible, donc jusqu'à ton dernier, euh, je ne sais pas comment on peut le dire, hein, mais en tout cas, ta dernière, euh, ton dernier souffle d'énergie, voilà, pour que cette chose-là se produise bien, pour que cette chose-là se fasse très bien et que ça se fasse avec grâce, c'est-à-dire la grâce de Dieu apporte toujours quelque chose de différent par-dessus l'excellence. Parce que cette grâce-là, tu ne la produis pas toi-même, mais tu la déclenches par la façon que tu travailles avec excellence. Tu viens de déclencher une certaine, une certaine grâce de Dieu. Et c'est ça qu'on veut aller chercher. C'est ça qu'on veut vraiment aller produire. Dans un passage de Proverbe 22, 29 qui dit Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il Ne se tient pas auprès des hommes obscurs, donc soyez ces gens-là qui se tiennent auprès des rois. Dans ici, moi je dis auprès des rois, du roi des rois, donc le, le seigneur des seigneurs, et on, on tâche avec ça vraiment de faire euh, le maximum qu'on puisse. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Donc, si vous êtes intéressé, à ce genre d'activité, vous voulez apprendre à travailler différemment, vous voulez apprendre à monter votre entreprise, vous avez une certaine difficulté. On est là, on est euh, une communauté, n'oubliez pas d'adhérer comme vous pouvez. L'adresse Nehemiah est ici, je pense qu'il est aussi fourni sur le chat. Ensuite, si moi je vous suggère, je vous suggérerais de répondre, de cliquer ici. Je pense que euh, euh, Victor, s'il te plaît, de ne pas oublier de mettre le lien de cette, ce formulaire d'évaluation, euh, qui va vous nous permettre, si vous êtes intéressé, de de nous écrire, de remplir ce formulaire. Donc si vous êtes passionné des affaires mais vous n'avez aucune idée de dans quelle direction vous en allez, euh, vous cherchez à développer des compétences et des connaissances, euh, vous êtes conscient que vous avez besoin de formation pour développer davantage votre, euh, votre entreprise. Vous voulez intégrer une communauté, non, vous voulez intégrer la foi, dans vos affaires et la gérer avec Dieu. Nous, on est là et c'est vraiment pour ça qu'on est là. Euh, je vous demanderai de compléter ce formulaire. Euh, ça ne vous coûte rien de compléter, ça ne vous coûte rien d'essayer. De, on est dans le temps de la grâce en ce moment. Il faudrait essayer. Il ne faudrait pas s'arrêter. Vous voulez faire quelque chose, passer à l'action c'est pour que vous puissiez commencer à travailler dans le domaine où vous êtes appelé, passer à l'action. Euh, après ça, ben là, moi, je n'ai plus rien à ajouter aujourd'hui. Tout ce que je veux dire, c'est merci, merci, merci à tout le monde qui a participé à cette... Euh, à toutes les personnes qui ont participé à notre euh, séminaire. Euh, si vous voulez me contacter, il y a aussi me coordonnées euh, directement sur euh, le chat. Alors, c'est zamana-kinkela, zamana, kinkela at zamana at .org et mon numéro WhatsApp aussi, vous l'aviez directement. N'hésitez pas, euh, ne vous dérangez pas, contactez-nous. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Je vous dis donc merci et à très bientôt.